après moi même perdre bonne révélation, bon Dieu dit c'est pour continuer chanter pour lui, moi même dit ah. Mais comment on va faire ça? Mais au dit moi j'étais dans l'église et puis il me dit bon Dieu, moi voulais chanter un chant pour fête moi bon mon chant. Plusieurs chants moi dans l'esprit me dit ah il faut que ça. Me dit pas ça me veut chanter. Me dit que mando me sentir c'est pas ça on voulait pour me chanter bon mon chant. Et puis jeudi matin pendant que me pral mener en cousin me claque à la travail et puis moi dit lever chant monter dans bouche moi. Me dit OK, ça c'est chant ça me va chanter. Je suis allé bénir mon Dieu dans ce matin pour me dire comment il est, comment il est bon dans la vie, pas moi. I love you, Lord. Of the goodness of God, I love you, Lord. For your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand. For the moment I so
béni dans la musique sacrée. Amen. Levez main, crie alléluia. Peuple sauvé, crie alléluia. Ma vie est quelque monde qui a respiré matin, qui a crié alléluia. Ma vie est quelque monde qui pas dans tiwa mog matin, qui a crié alléluia. Moi ta reme wè kèk moun ki pa kouche sou kaban l'hôpital k'ap kriye alléluia. Moi ta reme wè kèk moun pitit yo pa malade matin k'ap kriye alléluia. Moi ta wè kèk moun sauvé bon Dieu fè grâce matin kriye alléluia. Moi ta reme ou kapé sou pye ou pou ba bon Dieu gloire sa matin kriye alléluia. Crie alléluia. Gardons bon Dieu. Gossons bon Dieu. C'est où bon Dieu? Dis ça dans ma tête. Qui fait toute qualité. Miracle. Moi étonné devant puissance. Oh, m'adorer, papa, levez-moi, on dit ça, si on respire, si gardons, bon Dieu, si gossons, bon Dieu. Oh,
fait pour le matin. Viens jouer moi au fini with the keyboard. Dis oui il fait. Dis bon Dieu fait. Bon Dieu fait le boulot, il crie alléluia. Mon bon Dieu guérit, il crie alléluia. Mon docteur te dit ou fait cancer, et puis mon Dieu retire, il crie alléluia. Mon bon docteur te dit ou ap mourir, bon Dieu fait vivre, crie alléluia. Crie alléluia. Frappez-moi pour mon Dieu, frappez-moi, 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 frappez-moi pour lui. Nous allons ramasser offrande nous rapidement. Nous allons chanter 105, chant d'espérance créole à la belle gloire, marcher avec Jésus. Les versets sont pour moi, pendant nous frappez mais nous, pla, 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 pla,
Est-ce que vous sentez la présence, mon Dieu, dans le lieu ça ce matin? À nous acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, chante nous, merci, musicien nous, pour la façon que vous dirigez nous dans la louange matin. Nous avons fait tout effort nous, pour servir sur comment c'est tôt. Comme ça, nous avons temps pour nous adorer et nous avons temps pour nous entendre prédication parole là, ok? Leur service, c'est 10h30 et nous fait tout effort qui est nécessaire pour nous capables là, pour nous capables commencer à l'heure, ok? Juste une annonce que moi je voulais ajouter à ça que Frère Glozer dit, deuxième dimanche du mois de juin, nous avons gagné une présentation des enfants. Nous avons déjà gagné deux familles qui sont là. Et si vous voulez ajouter, il n'est pas trop tard. Okay? Juste faire ouais moins, ou bien il y a un ancien au l'église, enfin nous connaît. Et puis nous avons ajouté dans la liste pour deuxième dimanche du mois de juin, présentation des enfants. Nous n'avons pas fait baptême bébé, parce que baptême bébé a lui-même n'a pas gagné une connaissance pour le repentir de péché. Ou de repentir et baptiser, pas vrai? Bébé n'a pas capable de repentir. Pour que nous juste faire présentation des enfants, comme c'était fait dans l'Ancien Testament aussi, pour notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ, nous suivons même modèle-là pour nous faire ça. Alors, capable de nous et pour nous arranger pour présentation des enfants. Nous ne pas prendre plus de temps. Maintenant, nous avons un privilège et grand honneur que Frère Jimmy Paul pour aller présenter parole là envers nous. Nous tendez Frère Jimmy déjà quelques fois dans les cris de minuit, mais maintenant nous avons l'opportunité pour venir pour nous parole bon Dieu. Ya. Pendant que Frère Jimmy a avancé, m'a demandé l'église à nous encourager. Li. Ok? Ok, merci. L'église, bon Dieu béni. L'église, bon Dieu béni. Moi-même qui partant, Christ est fait grâce. Selon promesse, li fait moi gain pour vivre. Là-bas, l'enfant péché, Christ est pour moi. Li souffle la vie dans moi. Qui parle, Christ qui a fait grâce. Selon promesse, l'yo, ou gain pour vivre. N'importe qui j'en ouye, li qu'a sauvé. La mette la vie dans vous, là-bas, ou yon chance. Béni non, bon Dieu, matin, pour grâce et privilège, opportunité qu'elle fait, que m'capable. Porte-parole, message du matin. Avant que m'avance, je voulais dire un grand merci à Pasteur Kedesh pour l'humilité qu'il a gagnée. Plusieurs fois, nous parler et me poser bon Dieu question. Bon Dieu montre que c'est un monde qui est très humble, de par connaissance qu'il a gagnée de moi-même, pour façon que lui considérer ministère bon Dieu. Et puis, je voulais dire merci à comité de l'Église. Là. Je crois que ce n'est pas un choix qui est un unilatéral. Je veux dire, il faut avoir une consultation, des concerts avec dirigeants, peu importe, pour être capable de faire un choix. Et je voulais dire merci à la famille, moi tout, pour le support que vous avez dans le travail bon Dieu. Je dois prêcher un message qui est. Depuis le pasteur de FEMPA, que m'a porté parole dans le dernier dimanche mois, ça, qui c'est fête des mères pour les Haïtiennes et les Haïtiens en Haïti, dans le moment ça. Nous croyons que c'est une grande fête qui gagne. Tout le monde est habillé en pan, mesdames, pour venir à l'église, pour célébrer un peu le cadeau à fête. Mais pour les gens qui sont sur Internet, captain de nous voulons dire, si vous êtes un maman haïtienne, nous voulons dire encore bonne fête. Fait qu'elle est content, réjouis, parce que je dis à ces jours pas. Si vous avez une Bible ensemble avec moi, je vous demande de l'ouvrir la Bible dans le livre de Luc, chapitre 23, verset 34. Nous parlons de un sujet ensemble avec vous qui relève les bienfaits du pardon. Si vous avez une Bible ensemble avec vous, vous êtes capable d'aller dans le livre de Luc, chapitre 23, au verset 34.
S'il vous plaît, on a commencé en Luc 23, verset 34. Jésus dit, Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et pour nous-mêmes qui, la matin, si nous t'affons l'autre coup d'œil dans le livre de Matthieu, chapitre 6, côté que l'on priait, qu'il est la prière universelle, c'est la première prière que Jésus-Christ, pendant qu'il était ensemble avec les disciples, il a pensé qu'on est comment qu'il est capable de communiquer ensemble avec papa, avec le père. Et ça a été troublé, il a posé la question, demander comment qu'il est capable de prier, comment qu'il est capable d'adresser à papa. Et Jésus-Christ a bah, prié que nous relions le Notre Père. Dit, Papa, nous qui n'en sommes là, pour nous qui les créoles. Et en français, dit Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Matthieu nous dit, sujet qu'on a traité pour les bienfaits du pardon. Nous vivons dans un monde, dans une société qui troublait en pile. Et de part et d'autre, garder dans la famille, sortir dans la famille, tomber dans la politique, sortir dans la politique, tomber dans l'église, gagner en pile trouble. Et nous avons demandé, est-ce que c'est l'évangile qui n'est pas prêché? Est-ce que c'est parole, bon Dieu, qui n'est pas prêché? Est-ce que c'est le travail ça, qui n'est pas fait? Mais ce que nous arrivons à réaliser de par recherche et études qui sont faites, dans toute société, si vous avez un leader, leader ça que vous avez, lit pas, il y a un monde qui est capable de pardonner, il y a un monde qui a pitié, c'est un échec social qui est lié. Et nous sommes capables d'aller de par le temps, faire un pile révision historique, si nous n'allons pas trop longtemps, Nelson Mandela, que tu as racheté 27 ans dans la ville, pour bien qu'elle te voulait pour un peuple, pour changement qu'elle te voulait pour un peuple. 27 ans. Qui que vous avez pour pardonner au monde qui prend 27 ans dans la vie, il passe dans le papier. Qui que vous avez pour pardonner au monde qui prend destiné famille, destiné une société qu'elle mettait dans le cachot, mais elle te gagne une devise. Pendant qu'elle était en prison pour 27 ans, il a fait un travail de par lui-même. Il lit en pile, il fait en pile recherche. Il gardait pendant qu'elle est en prison, d'après toutes les démarches qu'il fait, il n'a pas de promesse qu'il a relâché parce que les politiciens, les gens qui étaient en charge, ils ont comme une menace sociale pour le projet qu'ils ont gagné pour intérêt personnel. Eh bien, qui ça qu'elle a fait? Il fait en pile recherche, il fait en pile étude. Il dit si je ne suis pas en pile, c'est un plus gros mal qui m'a fait tête moi. Parce que je ne sais pas combien de jours, combien d'années qu'elle a passé dans la prison. Et à chaque fois qu'elle a eu un moment, elle a eu un petit temps pour te rencontrer avec un leader qui fait partie du même groupe, ensemble avec lui, elle t'a remonté le moral. Elle t'a dit, on ne peut pas décourager. Il y a un jour, ça a pour changer. Mais qui joue ça pour aller? Comment ça pour le faire 27 ans? Il y a un régime qui est tellement dur. Un régime qui s'est tellement féroce et atroce qui n'a pas de pitié. Elle n'a pas jamais perdu espoir. Et des négociations, de par prière, méditation qu'elle t'a fait, elle est arrivée surmonter 27 ans d'atrocité, 27 ans de méchanceté qui ont été faits par le pardon. Et bon Dieu, tu vois, cœur Nelson Mandela. Elle était vois qui comptait. Il était voulu arriver avec société, avec peuple sud-africain. Nelson libéré pour tout le monde qui connaît l'histoire. Il vient accéder au pouvoir. Qui sont à faire Mounzao? On va tirer revanche. Détruire famille, mettre en prison. Mais il n'est pas trouvé ça. Il était réconcilié ensemble avec eux. Il était allé au tout bon tabla. Que tu es capable de parler, que tu es capable de comment que tu es capable de changer la société ça.
tout le monde qui t'a souffri, comment tu as porté un changement? Et ce même sentiment, ça, Jésus-Christ sur la croix, il te dit, papa, pardonnez-vous. Je ne connais pas ce que tu as fait. Mais ce moment-là, tu as demandé pour pardonner mon Zayo. Parce que tu ne connais pas ce que tu as fait. Maintenant, nous dit que pardon, ce n'est pas un bagage qu'on a fait à moitié. Ou pas qu'à fake forgiveness. Ou bien on pardonne, ou bien ou pas pardonner. C'est même genre l'amour, ou pas qu'à remer à moitié. C'est ou bien on remet, ou bien on pas remet. Parce que tôt ou tard, l'a dévoilé. Même genre, pas gémenti la donne. Ça, pas gémenti la donne. Si on moun remon à moitié, li gen réserve, tôt ou tard, li pa gen rancune dans la famille. Li pa gen division, li pa gen mésentente. Parce que si moun nan se intérêt l'ap chercher, li pa ap chercher l'intérêt familial de tout moun ki bon kote, de tout moun ki fait partie de la famille, tôt ou tard, ça ap dévoilé. Pardonne-nous nos offenses comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardon, gen an pile bienfait là-dedans. Le ou gen esprit de pardon ou libérer tête tout, premièrement. Pardon, bon liberté. Le ke ou pa gen esprit pour pardonner moun, c'est nos prisons ou mette tête tout sans que ou pas rendre compte. Ou enchaîner propre tête tout. Ou enchaîner sentiment. Ou enchaîner habilité de réflexion, habilité de penser. C'est tout rêve ou. Ou mettez en prison à cause de yon bagay ki yon moun ka fò innocemment. Gen moun ki offense innocemment. Sans que moun pa rende compte. M'ka rentre dans sa lalam, salye deux trois moun sans que m'pa rende compte c'est un tel ou fò un tel te chita tel côté. Sa ka offense, ka di bon, m'ge parti pri, m'ge un groupe de moun ki m'pi apprécié dans l'église là. Et pourtant m'ka gen yon lòt bagay, ça veut dire moun ki pi prèm lan, ça veut dire m'ka gen yon attirance et pa bon, pa même di yon préférence. Ça dit rapport de rapprochement, un lien de rapprochement. Ça veut dire si mon petit frère, m'ka pi vite pour m'ka ba la main, pour m'fon un petit tap dans dos, pour me dire comment lier, mais ça pas veut dire que m'pa apprécie. Ça pas veut dire que m'pa rendre m'pa acknowledge présence ou dans assemblée. Ça veut dire que ou pas moun pam. Ou créer un grudge. Ou gagne un ressentiment de haine. Fois ça li gen moun parle dans l'église là ou bien pasteur gen moun parle ou bien tiak intel gen moun parle tel moun ki nan en cœur d'adorateur gen moun parle konn la ou kite baga ça apran ou un jour les que ou vin l'église là ou vin pa ka adorer parce que c'est par exemple ou da passé beaucoup de frère c'est lui même que ou passé côté ou bien c'est lui même ou da rentrer dans l'église là je tombe dans ziel en premier ça gen paralysé est-ce pour qu'on devini pour adorer disposition qu'on de gen pour venir adorer bon Dieu gen changé complètement gen moun façon qu'on habillé offensé moun nan façon qu'on comporte offensé moun nan ça pas veut dire qui sont problème moun nan ça veut dire innocemment qu'on cultive un esprit de négativité, un esprit de méchanceté, un esprit toxique dans la vie qui peut créer un pile problème. Et bagasse ça, yo empoisonner la vie. C'est pas gain pardon dans la vie, c'est un poison qui va ronger la vie que vous pas rendre compte de ça. Pendant que tu as préparé message là, j'ai un livre que m'te fait yon classe que m'te point. Kone ki yon même jan nan assemblée nous étudier comment que moun capable bay la dîme, yon fait étude sur ça. Yon fait étude sur le péché, yon fait étude sur la prière. Mais pardon, c'est yon bagay ki mande pou ta pran en pile temps et c'est tellement important elle dit yo presque mette pardon au même niveau avec la grâce elle dit pour jouir grâce bon Dieu faut que pardon en ou et pour comprendre profondeur pardon faut que la grâce dans ou voyez les petits moun fait en désordre li connaît papa la balle bat li ou bien maman pa le battre si tellement li connaît parent bien il dit fais-moi grâce
en Haïti. Nous prêts pour nous courir allemand de grâce parce que nous connaissons qui ça nous va le subir. Toi, Paul dit en pile pour nous, nous demander grâce. Et papa nous, ou bien maman nous qui connaît, dans qui degré nous avons pour chapelet, il est capable de donner nous. Or, pas qu'à dire, depuis l'autre fin fait ça qu'on a fait qui mal là, qui parle pour son amende grâce là, ou pas en paix, qui bat fort, pas vrai? À chaque fois qu'on fait un bagage qui mal, qui bat fort, ou troublé, ou cieux, ou pas qu'à contrôler l'émotion ça. Mais quand Dieu vous pardonne, il faut grâce. Vous mettez à aller, pas faire ça encore. Ah. Vous sentez soulagé. Vous sentez tout fardeau qui est dans le monde là, tombé. Eh bien, ce même Jean, Jésus-Christ, il fait nous grâce. Il pardonne nous. Il dit, je t'ai souhaité que la présence ce matin comprenne quel niveau pardon et grâce, il y a une relation qui est entre deux mots. Là, vous venez l'église, le premier jour, vous acceptez Christ. Vous sentez tout pardon péché. Tout fardeau vous allez. Vous sentez tout léger. Vous sentez tout vivre. Non, c'est en gros, vous êtes à la hauteur de la vie. Vous êtes on the top. Parce que vous connaissez les gens qui ont été hier. Ce n'est pas même les gens qui ont été aujourd'hui. Péché, vous avez pardonné. Vous avez vécu en vie. Quand vous êtes là, les gens qui ont été pour l'empoisonner. Pas attitude, pas façon que vous voyez la vie chrétienne, non, ou? Et pas jugement que vous pouvez porter. Est-ce qu'on peut quitter critique, yo, condamner, ou? Pour venir même gens avec vous. Parce que, il y a un pile, monde, si nous faisons un pile tourner dans la Bible, ou les pharisiens, il y a un pile pharisiens dans l'église. Un pile monde qui n'est pas capable de donner monde. Parce que yo pas connait qui transformation bon Dieu fait en dans la vie. Mais garde c'est intel, garde foi intel, c'est ça qui est important pour yo. Mais ou même si pas connait relation avec bon Dieu, relation avec Jésus-Christ, ou quitter moun sa ou poisonner la vie. Ou pas ka grandir chrétiennement. Ou besoin liberté ça que ou pardonner. Ou besoin liberté ça pour capable pardonner ou même pour capable vivre une vie qui remplie avec la paix. Une vie qui remplit avec joie. Et pour moun qui est fanatique football, nous connaissons deux grandes équipes qui est en pile moun remet Barcelone et Real Madrid. Mais dans l'histoire deux pays ça yo, les Catalans et les Madrilènes, deux pays ça yo qui ont compétition qui pas entre eux qui pas daté de vieille date. Il y a que non seulement dans le domaine football, mais dans le domaine chanté, c'est un pays, Espagne, c'est un pays qui baille les meilleurs. Espagne baille les meilleurs, et si pour les gens qui aiment la musique en pile, nous connaissons deux plus gros ténors musicaux dans le monde, qui sont en Espagne. Les gens qui aiment la musique longtemps. Qu'on a tant de bons chansons. Qu'un monsieur Luciano Pavarotti, qu'un monsieur qui est Placido Domingo. Des gens qui ont chanté, c'est dans quoi c'est choral dans ce lac, descend, vient chanter pour vous. Mais il était une compétition entre deux monsieur Saro. En Espagne, dans les années 84, de M. Sao devenu deux ennemis farouches à cause de politique. C'est-à-dire qu'il y a un groupe dans le gouvernement qui supportait un, il y a un autre groupe qui supportait un autre. Les gros faits d'affaires en Espagne, si vous invitez Pavarotti, il retourne écrit chef là qui est là, il dit, m'a présenté, seule condition, il faut que Placido pas là. Et si vous invitez Placido, il dit, dans cette condition, vous m'acceptez l'invitation, il faudrait que Pavarotti parte dans la salle. Gros problème. Et c'est même genre pour jouer aujourd'hui entre Real Madrid et Barcelone. Barcelone a besoin indépendant de l'Espagne, mais problème politique. Quantité l'argent Barcelone a fait rentrer dans le gouvernement, il n'y a pas qu'à quitter aller comme ça. Il dit, son bagage qui est là longtemps. Et bien, qui s'est arrivé? Deux messieurs, ça, ils ont si tellement conchanté.
ils ont amassé de fortes sommes d'argent, pile en pile en pile, quoi. Je ne sais pas si je trouvé sur un terrain d'entente. Tu as eu l'autre, dans le temps qui était aussi carréras. Tu as dit, Mounsao, les autres, wa, campé. Tu as tant de voix, Mounsao, tu as dit, est-ce qu'il y a l'amour encore? Pour les gens qui sont contents de André Abouchili, c'est même gens, tu as tant de Mounsao, qui a chanté. Et bien, qui est-ce qui est venu arriver? En 87, il y a un gros événement venu arriver dans la vie. Pavarotti. Monsieur Savin Rivet, Monsieur Carras, Vin Rivet, à partir de tout comme yo gen, il a demandé qui ça pour faire, comment pour vivre. Monsieur a fait un check-up dans le docteur, l'el rivé, le docteur a dit, monsieur, vous faites leukémie. Ça veut dire, zone encore, monsieur, vin creux. Pour moun qui connaît maladie leukémie, moun qui dans nursing. Yeah. Wow. Monsieur Vincent, la vie finie pour lui. Parce qu'on est qui compte chanter comme ça, qui a talent, qu'on est là, il est paralysé, tristesse à manger, monsieur. Et puis il fait recherche, il fait recherche. Il vient trouver à Seattle, Washington, c'est là qu'il y a un plus gros centre médical pour traiter la maladie. Ça. Il dit, l'argent pas limité pour lui. Il mettait dehors, il rentre à Washington. Il a fait consultation. Il a demandé pour venir aux États-Unis chaque mois pour venir voir un docteur pour faire moelle transplant pour lui. Pour être capable de mettre moelle dans la zone pour faire injection, transplant. Et bien, ça qui vient arriver, dans plusieurs voyages, toutes les ressources qui viennent épuisées. Tout comme monsieur de Gain finit passé. On a monsieur, il a balle un dixième de chance pour être capable de vivre. Il a posé des questions. Qui sa carrière te vaut? Qui sa la ville te vaut? Qui sa l'argent qu'elle dégaine te vaut? Pendant qu'elle a posé question, lui-même l'a mis dans le terrain comment Placido Domingo, c'est lui qui va le mettre terrain. Ça a mangé pour lui-même qui t'a bon un autre problème, qu'on a là, mais lui il couché sous carbone de l'hôpital. Il n'a pas de voix encore. Il n'a pas possédé encore. Et même grand dans la ville là, pas mes espoirs, par contre, c'est de comment il est encore. Et puis, dans la recherche, il vient tomber sur un site, côté quelqu'un, une fondation qui est Hermosa Foundation. Que fondation, ça, tout quoi, il a investi, c'est pour traiter les gens qui font leukémie. Wow! Il dit, ah bon, si fondation, ça, c'est ça, appelé pour le faire, il y a un gros monde dans le courant, moi-même, il n'y a pas qu'à refuser. Et puis il remplit l'application, il voulait aller. Puis il remplit l'application, il voulait aller, il accepte. Il dit, mais qui quantité de copes qui est disponible pour lui? Et quel que soit le pays, il voulait aller. Pour la suivre, docteur, il a couvert tout frère. Ah, monsieur Sentil, à son aise, parce que lui-même qui n'a pas de espoir encore, la vie, il le fait face pour lui encore. Mais il n'a pas fait recherche pour lui. Comment fondation ça t'est créé, qui moun qui président, qui connaît comme la sorti, il va faire qu'une recherche, seulement lui-même, l'a cherché pour la vie. Eh bien, qu'est-ce qui t'est arrivé? Fondation ça, c'est Edmille, monsieur qui était en compétition ensemble avec là. Monsieur Domingo, qui prend tout comme lui gagne, il crée fondation ça pour monsieur pas mourir. Il dit, Mounio, fait fondation pas mettre un homme qu'un côté qui t'aime incognito. Pas besoin qu'un monde connaisse ça que m'a fait. Même Jean Bible a dit sauf faire avec main gauche mais doit pas besoin connaître. De là étant monsieur vient rencontrer avec plus gros docteur, plus gros recherche vient faire dans domaine là. Il commence à reprendre équilibre. Monsieur commence à reprendre équilibre, monsieur vient en pleine forme, en pleine santé, il est capable de chanter encore. C'est alors, monsieur Paul Chita qu'on est là, il dit, faut remettre par générosité, par reconnaissance. Nous dit dans la culture par nous, la reconnaissance est une lâcheté. Non. Son état d'âme qui est lié. L'or reconnaissant, l'or gratitude, il veut dire en pile bagaille. Eh bien, qui ça, monsieur fait, monsieur Al Chita,
il dit secrétaire, il a besoin pour faire recherche, pour connaître comment fondation ça a été fondée, qui moun qui est en tête fondation ça, et qui côté fondation joue une ressource ça, parce que lui-même, il a besoin de payer, remettre tout bien fait ça. Et puis, secrétaire fin faire recherche, et puis pour te donner, monsieur. Papa aussi. L'Iwe, c'était Placido Domingo qui a créé la fondation avec seul but en tête que Carreras pas doit mourir. Parce que yon voit comme ça, monde l'an pas doit perdre yon voix comme ça. Yon personnage important comme ça, monde l'an pas doit perdre. Et puis, monsieur Veillet, on l'a côté que yon font invitation. Grand concert en Espagne. Et puis c'est Placido Domingo qui t'est invité d'honneur pour la chanter. Monsieur rentré, il fait déguiser l'antique comme ça. Et puis il rentre dans l'assemblée. Hein? Tout le monde perturbé. Pour un monde comme ça, rentrer dans l'assemblée. Et puis, il part chita, il est allé droit sur le podium là. Et puis, il mettait à genoux dans le pied Placido Domingo. Et puis il a crié. Et puis, Domingo fait le camper. Il dit, on t'a fait ça, ce n'est pas moi-même qui fait. Même réaliser l'importance que je gagne, c'est parce que j'ai envie. Si je ne peux pas chanter, je ne peux pas comprendre l'importance, la valeur de chanter que je chante. Et je ne peux pas sentir en moi-même que le monde, le peuple espagnol, dans le moment ça, t'es qu'à supporter, perdre ça. Et puis le pardonner, le crier, le dire, mon Dieu, le raconter, mon Dieu, comment ça t'est fait. En tant que chrétien, si tu es en place de monsieur Sayo, compétiteur, moun des fois qui faut sentir que ou pas moun, parce que ça arrive, il y a pasteur qui pensait que yon en l'air, l'autre place un petit pasteur. Il y a un évangéliste qui est bien en l'air, l'autre là c'est son petit évangéliste. Ou bien il y en a un même qui est en compétition, en rivalerie. Quand on entendait l'église là, pas qu'à effort pour le payer bill, il n'y a pas le faire, n'importe l'église là, qu'est-ce qu'on fait? Quantité comme vous gagnez la banque, dans ses vignes l'église où? Est-ce qu'on va restaurer l'église là? Ou bien on va fêter parce que tout le monde ne va pas le finir dans l'église où? On mettez-nous en position en tant que chrétien. Dans des fois, on a pas le perdu machine ni, on a pas le perdu Kylie. Qui sont affaires? Vas-y, on juge tête nous, on rentre dans nous-mêmes en tant que chrétiens. Parole de notre Père, pardonne-nous nos offenses comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dans Colossiens, il dit, supportez-vous les uns les autres. Comment nous juger parole ça? En tout cas, en vous-même, il y a une petite dans le moment ça qui ne veut pas donner papa, qui ne veut pas donner maman. Et il y a un moment qui ne veut pas donner petite parce que il y a une ligne de conduite qui est en bas. Il y a une façon, famille, tu as avancé, tu as dit, ou tu dois marcher sous 13 pour ne pas appeler 14. Ce n'est pas mal où tu as appelé la ligne 14 là. Est-ce qu'il n'y a pas de chance pour vivre encore? Est-ce qu'il n'y a pas de chance pour pardonner encore? C'est même genre, nous-mêmes, gens qui nous gardent yon l'autre, gens qui nous jugent yon l'autre, par une erreur que yon frère fait, nous prêts pour condamner. Nous prêts pour sacrifier frère. Nous prêts pour sacrifier soeur. Mais qu'est-ce que ça nous fait de pardon? Même genre, bon Dieu fait nous grâce, les rachets de nous. Est-ce qu'il n'y a pas une chance pour réconcilier avec frère là? Est-ce qu'il n'y a pas une chance pour réconcilier avec soeur là? Est-ce qu'il n'y a pas une chance encore pour les petites filles là, petits garçons là, pour chita ensemble avec elle? Pour faire une table ronde, pour dire pardonnez-moi. Et si vous n'avez pas pardonné tête par avant, c'est difficile pour pardonner au monde. C'est difficile pour pardonner au monde si vous n'êtes pas conscient que vous-même vous déjà pardonné. Et d'après une étude qui fait, il dit trois cas qui ont cancer mourir, les à l'étudier histoire la vie 10 15 20 30 ans. Yo wèk yo moun ki yo kembe nan cœur yo. Ki yo moun ki yo pa vle pardonner parce que ça c'est un gros chaplain qui fait recherche ça parce que lui-même il vesté près de 50 ans
dans l'hôpital et a marché de caille en caille dans centre de rétablissement pour capable travailler avec moun qui fait cancer seulement. Il dit gen des fois moun nan kon rive, toutes conditions réunies, chimiothérapie bien passée, tout signe réuni pour moun nan complètement fri de cancer. Et puis il a fait étude ensemble avec moun nan. Il a posé question sur la ville. Et puis il dit oui, Marie m'était fait mon bagage, m'pa quoi m'a jamais capable donner monsieur ça. Ou bien un petit garçon qui fait mon bagage et puis même côté a, après 11 semaines depuis que ou gen esprit négatif, conseil des éléments, conseil des substances négatives qui a dégagé dans corps physique ça, yo nuisible, yo néfaste en pile. Et ça fait gen moun ki gen problème cardiovasculaire, c'est parce qu'on pas capable donner moun. Depuis moun nan son tension artérielle ou gen dans monter. Que on si tellement à vin battre ou créer propre maladie pour. Ou créer propre maladie pour. Parce que, imaginez, un monde qui a divorcé ensemble avec elle. Ou croisez avec Mounsa sous chemin, ou sorti la banque, ou après entrer la banque. Ou bien croisez avec Mounsa sur une machine qui est supérieure, une machine qui est conduite. Bon, ou peut pour mourir. Ou dit, mais la pi bien vivre passe, li quitte dans la misère. Mais c'est à cause. Ou créer propre misère. Ou intoxiquer la vie. Parce que ou pas qu'à quitter moun nan aller. Ou pas qu'à relâcher moun nan. Que nan nous libérer déjà, mais chien nan nous kembel. Kadna pa nan chien nan non, mais nous kembel chien nan nous pas veut la chien nan terre. Parce que nous changer ça l'autre là t'ai fait 10, 15, 20, 30 ans. Qui ça pas l'utile ou qu'on y a? Si bon Dieu t'a valé dans calendrier la vie ou dans calendrier la vie. Qui est-ce moyen qui est souillé pour ta chita là, pour attendre des paroles, pour appeler Bible là, pour appeler mes noms, pour dire notre Père, qui est souillé? Et pour pas qu'à la gueule, pour pas lâcher l'autre là, pour pas qu'à pardonner l'autre là. C'est difficile. Il y a un grand évangéliste, quoi, pas qu'il y a trop de critères encore, qui. T'as marché fait service. L'irrivé a invité pour la prêcher un message dans une prison. Mais prison, ça s'est connu, on mettait tout bourreau aux États-Unis. Elle dit, il faut qu'on ait cran. Pour aller là. Et puis, les gonègues, pas jamais, un chaplain, ni un pasteur qui vient faire service, ni un groupe social qui voulait accepter d'aller dans la chambre de monsieur. Parce que monsieur, c'est tellement fort depuis que mon paraître, pour ça qu'elle a enduré dans la prison, depuis paraître les kakembo, et puis les iso, les lagouates. Et puis, il a fait évangéliste la connaissance. Et puis, monsieur allait lui prier. Et puis, pendant la prière, bon Dieu, verset qui dit, Bible qui dit, je ne vous donne pas un esprit de peur. Il dit, mon Dieu, bon Dieu, libéré, libéré à jamais. Et puis, il levé, là, il est dans la prison. Et puis, il demande geôlier pour faire rencontrer. Je lui ai dit, ils ont demandé. Il dit oui, mais je fais rencontre un à un ensemble avec prisonnier et tel et tel. Ok. Il dit condition pour rencontrer ensemble avec là, il dit faut de monsieur enchaîner. Faut de mettre le nom, non seul que la bien en glace que il a perforé pour vos échanges de voix au café, mais lui-même il dit non. Homo à homo. Il a besoin pour chita. Pour ça que bon Dieu veut faire dans la vie, monsieur, pour qu'il sente que c'est deux moun qui parlent, que il pas avoir une barrière entre lui-même avec monsieur pour faire sentir qu'il est supérieur. Et puis il a accepté. Il a mené devant monsieur. Pour 5 heures de temps, chita l'a interrogé monsieur de la ville. Et tout rapport que monsieur parle, monsieur a injecté le pardon. Tout ça que lui-même, lui, ouais, qui était parti tellement noir, qui était parti tellement néfaste dans la ville. Monsieur a dit, nous comprenons ça. C'est pas fou tout. Nous connaissons tout en série d'événements, tout en série de bagailles qui passaient dans la vie. Et puis il dit, mais on a une chance encore. On a une chance, c'est que vous êtes capable de donner tout. Ce que vous acceptez, c'est en humain, que nous tous nous avons fait erreur. Et puis, il remet monsieur en Bible. Il dit, autant de fois que
ou vle relâche ou. Autant de fois qu'on voulait libérer ou. Autant de fois qu'on voulait sortir dans la prison ou quoi. Il dit, plus gros prison là-dedans, c'est pas prison ça, non? Il dit, plus gros prison là-dedans, c'est prison mentale là. Il dit, ou capable de l'en capable de gagner plus de liberté si mentalement ou pas emprisonné. Si ça fait 27 ans pas de représentant pour Nelson Mandela. Parce qu'elle t'est libérée mentalement. En tant que chrétien, peu importe combien de temps vous avez dans l'évangile, peu importe quelle expérience qu'on fait dans la vie, est-ce que vous acceptez le sacrifice Jésus-Christ fait sur la croix pour vous? Monsieur, ça, il vient accepter Jésus-Christ après un mois, il fait un mois, de jour en jour, il a pris la Bible, il vient voir quel sacrifice qui était fait pour lui. Il vient voir un monde qui était mort pour lui. Peut-être dans la ville, il n'y a pas de gens qui contentent de ça. Lui-même, il fait rencontre avec Sauveur. Il fait rencontre avec Seigneur. Il remet la ville. Il prie. Il demande bon Dieu pour rentrer dans la ville. Et bon Dieu rentre dans la ville. Il demande geôlier prison pour aller pasteur. Pour venir prier pour lui. Parce que il n'est pas même monde encore. Il est un monde nouveau. En dans prison, il est venu, il a fait baptême pour lui, oui. Il a baptisé dans la prison. Et 6 mois après, monsieur mourit. Mais il y a une bagarre qui était comme plus gros record, non? Record évangéliste, ça. C'est que il sauvait un homme. Il était pardonné. Maintenant, peu importe l'état, situation, la vie, peu importe l'état, péché, peu importe l'état, condition que l'homme est capable de condamner ensemble avec. Mais sous quoi que c'est un sacrifice qui t'est fait sur le bois du calvaire. Pour te sauver moi-même ensemble avec vous. C'est pour ça que Jésus qui t'a fait ça. Et premier bagage, il t'a dit, il t'a prié, il t'a exalté, papa. Il t'a dit, papa, pardonne-nous nos offenses. Comme aussi. Parce que nous ne connaissons pas comment pour nous demander pardon. Et c'est la première prière que Jésus qui t'a fait à toute discipline. Matin, c'est un bagage qui me faut. C'est un bagage qui me fait faire, qui me fait faire. Madame, Marie, petite maman, papa, fait. Peut-être que vous avez demandé qui j'en ai fait pour me pardonner, mon ça. Premièrement, demandez bon Dieu pour le pardonner. Et soit accepté pardon, bon Dieu. Bon Dieu, bon courage, vous-même. Pour pardonner petit ou, pour pardonner madame ou, pour pardonner frère là. Moun qui a 10, 15 ans qu'on pas parler ensemble avec elle là. Pour une raison simple, ou peut-être une raison qui est capable de compliquer. Maintenant. Pendant que Jésus-Christ a parlé à ma voix, vous pouvez faire choix ça. Les personnes là ou même. Peut-être maman ou des années qu'on pas relé pour une condition quelconque. On sœur ou qu'on pas bien à ma voix pour une condition quelconque. Si toutefois vraiment, on croit que Jésus-Christ, il est one la vie, il est Seigneur, il est maître. Et si que croit ou accepte grâce qu'il défend là, sous quoi? Capable mandel même Jean yon dame de fer li pa vle pardonner papa et puis un jour li levé li dit Seigneur je remets mon père entre tes mains bénissante pardonner tout ça papa me te fait qui mal après 41 ans il dit pardonner tout ça papa me te fait qui mal parce que papa t'a abusé li pa ka vivre encore après 41 ans sont-ils dans prison li gen corps li pa ka vivre. Et puis le grand ami qui a partagé l'évangile ensemble avec elle, il dit, bon Dieu, moi mettre la vie papa dans mes bénis. Pardonnez toute sale femme qui mal. Et bien mon chance encore pour continuer à vivre. Et puis un temps après, bon Dieu fait papa le malade. Et papa le malade, elle mène dans le nursing home. Maman le doué pour vivre, vivre la Kaili ensemble avec elle. Et pendant maman t'a vivre, on dimanche matin pour l'église, machine frappée, maman mourit. Les mamans viennent mourir. Quand il y a là, il y a un homme qui dit, nous ne pouvons pas prendre soin encore parce que nous ne pouvons pas supporter ce qui a passé. Il m'a demandé pour papa venir vivre ensemble avec elle. 41 ans, avec abus. Cicatrice ça. Comment est-ce qu'il a pardonné? Mais c'était opportunité pour bon Dieu d'être capable de sauver la génération famille. L'elle devine la Kaili. Bon Dieu, tu travailles ensemble avec fils pour te pardonner papa. Papa, il a accepté l'évangile. Il devine converti.
et puis papa t'est baptisé. Deux semaines après ça, papa vient mourir. Nous chantons matin, je veux un cœur nouveau. Un cœur vrai droit pour ta servir. Un cœur régénéré. Un cœur soumis, plein de bonté. C'est que ça qui nous dit, nous voulons, bon Dieu. Matin, ça. Entrez dans vous-même. Demandez bon Dieu pour transformer le cœur. Pour qu'apprenons à pardonner. Pardonner non pas à moitié, mais pardonner tout entier. Pardonner avec l'amour de Christ. Pardonner avec l'amour de Jésus. Pardonner pour que vous-même, pardon, vous capable de libérer tout. Avec pardon, vous capable de guérir tout. Avec pardon, vous capable de vivre une meilleure santé. Parce que rancune les détruit. Il crie maladie. Demandez bon Dieu pour l'apprendre à pardonner yon l'autre. Dans ce que paroles sa yon, capable servir de boussole sur le chemin de la vie chrétienne. Parce que nous pas là pour nous juger yon l'autre. On essaie, peu importe ça qui vient, peu importe ça qui vient, yon capable de courage, yon capable de force pour nous pardonner yon l'autre. Et comme ça, la vie chrétienne, la plus ou moins facile, la plus ou moins léger pour nous, et nous va faire route là ensemble. Et que nous pas l'ennemi, mais nous va deux mondes qui servent bon Dieu, à tout cœur nous, à toute sincérité nous, et comme ça nous apporter changement dans la société nous, changement dans la famille nous, changement dans l'église, changement dans le travail, changement dans l'environnement nous. Je souhaite que bon Dieu bénisse et que par ça touche dans nous. Et pour les gens qui attendent sur Internet, nous souhaitons que si vous avez des paroles, vous êtes capable de mettre en application. Et que si vous avez des gens qui ont des cœurs, vous êtes capable de relâcher les gens pour permettre la vie d'aller de mieux en mieux. Et vous êtes capable de gagner la paix qui ne peut jamais finir. Que bon Dieu bénisse. Nous remercions le Seigneur pour parole, parole. Amen. Que nous sommes bénis et que mon Dieu parle à certains d'entre nous dans la salle aussi. Et si mon Dieu parle avec vous, agis. Sous ça, l'esprit mon Dieu a dirigé vous là. Si c'est un monde qui a un cœur, si c'est un problème qui a avec un monde, bon Dieu lui aime les fidèles, la bonne force pour résoudre la situation. Ça, Fred Jimmy dit, surtout ça qui est dans le dernier moment de la vie, c'est vrai. On a rencontré un pile dans l'hôpital là. Le problème, c'est pas l'amour au père, non? Mais nous parlons avec le Dieu, papa me défend ça à tel temps. Si mon mari ne m'a pas traité bien, c'est ça qui est le problème pour moi. Petit, moi, mourir, c'est parce que je ne fais pas de travail moi, comme papa. Mais si je ne dis pas, petit, moi, je vais m'expliquer. C'est ça. C'est bagage ça qui ennuie. Je suis sous cabane l'hôpital, nous parlons avec vous. Vous vivez en matin, autant de paroles. Retirez-vous dans la prison. Retirez-vous dans la prison. Peut-être là matin, vous connaissez Seigneur comme sauveur. C'est le moment où l'évangile se prêche. Il n'est pas aussi difficile pour rentrer dans le royaume ciel. Juste admettre que vous êtes pécheur. Admettre que vous êtes pécheur. Reconnaître que Jésus-Christ est mort pour péché. Et accepter le salut que vous avez. Si quelqu'un monde comme ça matin, nous là, nous sommes capables d'aider, nous sommes montrer à travers la parole de Dieu comment on va faire la paix avec le Seigneur. Nous allons terminer. Nous allons terminer avec le numéro 105 créole. Le 105 créole, chant d'espérance, la main de sœur nous. Sœur Dani, vous venez, vous dirigez nous dans la chanson. Il faut aller cap terminer pour nous, s'il te plaît, par la prière et la bénédiction. À la belle gloire, ma chère Jésus. L'hiver, c'est sale pour moi. Ma chère Jésus, l'hiver, c'est sale pour moi. Non, moi, mon plaisir.
dimanche si Dieu veut, nous pas là. Et nous avons fait déplacer avec toute la famille. Hein. Donc, on va prier pour nous. Il y a une étude que nous avons fait dans la théologie. Et il est possible que samedi, si Dieu veut, nous va graduer. Et donc, nous disons bon Dieu merci pour tout ça qu'il fait. Il y a un peu de monde qui est là qui pat. J'aime connaître ça. Donc, je ne pas tellement aimer parler en pile parce que ça, il a plus fait la gloire de l'homme que la gloire de Dieu. Mais quand même, bon Dieu, il accomplit dans la vie nous de grandes choses. Donc, nous avons raison pour nous dire merci. Nous avons aussi une petite fille, bon Dieu, t'es bas nous avec un pile de difficultés. À 17 ans, bon Dieu permet que l'y gradue dans l'école qui est numéro 2 dans Florida. Donc, encore, nous disons bon Dieu merci. Et nous avons l'autre graduation encore le 7. Son année 2021, bon Dieu, j'étais là quand même en pile bénédiction. Donc, nous disons bon Dieu merci. Alors, nous va prier pour nous et là nous retourner. Nous va voir histoire comment ça t'est passé. N'a dit bon Dieu merci aussi pour Frère Brunel qui matin hein, vini li atteindre un autre niveau dans la vie li comme chrétien, comme monde qui t'a accepté Christ. Il était d'accord pour lui répondre avec question pasteur pour te dire à Christ tout bon vrai m'vin joindre nous. Donc nous besoin prier pour lui parce que bataille a commencé. N'a dit visite nous en pile merci. Merci parce que t'es choisi pour adorer ensemble avec nous. N'a souhaité que papa bon Dieu jette grâce li, protection sur vous et permettre que service ça li vaillon mémoire, un souvenir dans la vie spirituellement, une bénédiction. Que bon Dieu bénisse en nous prier. Papa nous nous merci pour bonté ou et faveur ou fait nous pour nous venir en présence ce matin. Là nous songe l'histoire dans l'Ancien Testament. Moun kon nous pas même capable paraître devant building ça pour nous t'a dit n'a vinn adorer, ça t'a demandé nous en pile sacrifice. Il t'a demandé pour nous joindre sacrificateur, souverain sacrificateur etc. Mais ou ba nous accès directement dans présence ce matin, nous capable venir nous chanter, nous sentir Seigneur nom tout le monde qui était là t'es vraiment motivé pour adorer ou dans un niveau spirituel que yo reconnaître majesté ou grandeur, yo reconnaître Seigneur gloire dans la vie yo. Merci pour moment ça qui était si précieux et que la Bible dit ces moments ça yo qui bien important dans la vie nous, que tout moment ou tout jour que nous ta capable passer n'importe l'autre côté. Merci pour chaque petit yo qui était d'accord Saint-Esprit en te mettre main sur yo matin hein. Et mené au vini. La Bible dit que ce n'est pas la chair et le sang qui est capable de pousser nous pour nous dire béni soit l'Éternel, mais c'est le Saint-Esprit qui a mis les mains sur nous. Nous entendons, Seigneur, un message que vous voyez pour nous matin. Il est très difficile pour ne pas gagner une nous là qui gagne au moins une histoire côté que bon monde qui te fait nous qui choye et que nous ne pas parler pour nous pardonner moun ça. Matin, Seigneur, nous reconnaître que pardon. Non seulement il ouvrit toute barrière qui devant nous pour nous joindre grâce, mais il son guérison aussi pour le corps physique nous. Et nous pensons que parole ça yo fondé parce que proverbe dans proverbe il dit yon cœur joyeux c'est un remède son médicament. Donc là nous pas gain la paix dans l'esprit nous Seigneur Dieu toute maladie capable attaquer nous capable entrer sous nous. Et matin parole là dit nous clairement que nous besoin pardonner. Et si nous pardonner, nous sommes free, nous sommes libres. Et parole nous dit, si petite la franchi, nous sommes réellement libres. Merci Seigneur pour tout ça qu'on fait. Merci parce que tu as utilisé serviteur pour te adresser, Seigneur, parole ça y est avec nous. Et maintenant, ça qui était à nous-mêmes, c'est l'ouvrir, valise que nous, tout le monde nous joigne, que nous te condamnés pour nous libérer au matin au nom de Jésus. Nous nous remercions Seigneur et nous croyons que chaque monde qui l'a au matin, qui est affecté par une offense quelconque, ou va soulager, ou va guérir que yo. Nous connaissons les cœurs blessés, les difficiles pour le guérir. Mais avec le sang de Jésus,
pas de maladie qui pas capable de guérir. Matin, nous bénissons, nous disons merci pour visiteurs nous. Et nous demandons au Seigneur, pendant nous pourrons le déplacer, tant pis, continuez à couvrir nous chaque pas nous fait. Permettre que Seigneur Dieu va sous nous. Et jusqu'à ce que l'autre occasion va arriver pour nous retourner, pour nous venir adorer. Ça y est, qui pas de cas présent, nous levons au bas où, qu'on est Seigneur, qui circonstances qu'il a traversé. Soit travail ou fatigue, ou bien yo préoccupé par d'autres activités, Seigneur matin, qui te priorise tant, mais yo, nous demandons, on va visiter yo, et faire grâce, permettre que yo va bailler priorité avec ça qui est prioritaire. Seigneur, nous prenons le déplacer. Tant prie avec nous, nous remettons tout déplacement nous dans mes mains. Avec nous, pardonnez péché nous, fais-nous grâce. Au nom de Jésus, nous prions. À lui soit la gloire, l'honneur, l'orange au siècle des siècles. Amen. À celui qui nous aime et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire dans le temps et pour l'éternité. Au nom de Jésus, allez en paix. Amen. Que bon Dieu bénisse. Thank you.